Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 19 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne. Et j'accepte de m'aimer davantage, de m'affirmer et d'exprimer mes besoins, en un mot, d'être moi. Vous répétez cela 3 fois. Aujourd'hui, j'ai pigé, vous ne courez aucun risque, et c'est avec l'archange Michaël. Michaël, je vous protège contre les mauvaises énergies, et je vous défends, vous, vos proches, et votre foyer. Vous ne courez aucun risque pour certains d'entre vous. Eh bien, on vous invite, l'archange Michaël, à abandonner vos inquiétudes, car il est là, il vous entoure, vous et vos proches. Il entoure aussi votre foyer et vos biens d'une puissante lumière d'amour. Cette lumière, elle repousse les mauvaises énergies et attire des expériences d'amour. Alors il vous dit de vous concentrer sur cette lumière et cet amour plutôt que, sur la peur. Car vous attirerez l'objet de votre attention. Évidemment, si vous avez peur, vous allez attirer. Si vous êtes négatif, vous allez attirer le négatif. L'esprit libre de peur, vous avez du temps et de l'énergie supplémentaire à consacrer à votre mission de vie. Vous êtes libre. Vous êtes libre quand vous n'avez pas peur. Alors pourquoi certains d'entre vous avez-vous peur? Qu'est-ce qui déclenche cette peur en vous? Est-ce que c'est une peur de mal faire? Est-ce que c'est une peur de mal dire? Est-ce que c'est une peur parce que vous n'avez pas confiance en vous? Est-ce que c'est une peur d'une personne? Alors, ce bel archange, il vient vous dire que vous êtes en sécurité en tout temps et que sa protection est sans faille. Alors, demandez-lui sa protection et demandez-lui de vous aider présentement dans ce que vous vivez. Travaillez avec l'archange Michaël. Alors, le rôle premier de Michaël est de chasser, les mauvaises énergies de la peur. Si vous devenez inquiet ou anxieux, je vous en prie, demandez mentalement à ce bel archange Michaël de vous apporter la paix. Vous pouvez aussi, lui demander de vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Et de vous débarrasser des mauvaises énergies toxiques que vous auriez, par exemple, avec votre entourage, en communauté, dans votre communauté. Ça peut être aussi à votre bureau, dans votre milieu de travail, au bureau. Ça peut être aussi dans la maison. Demandez-lui de faire le nécessaire et de retirer ces énergies toxiques qui vous pourrissent la vie. Et après avoir fait appel à ce bel archange Michaël, vous éprouverez probablement une impression de chaleur.
c'est parce que il a l'esprit fougueux du guerrier, cet archange Michaël. Vous pouvez demander à Michaël d'être continuellement à vos côtés, puisqu'il peut, il peut être avec tous ceux qui font appel à lui simultanément. Alors, n'hésitez pas. Demandez-lui d'être présent à côté de vous. Vous savez, c'est comme les anges. Si vous ne les sollicitez pas, ils ne viendront pas à vous. Donc, demandez-lui. Alors, je termine d'un très beau message, n'est-ce pas? Je termine avec mes petites prières pour guérir. Et aujourd'hui, j'ai pigé santé. Hier, j'avais pigé addiction. Aujourd'hui, j'ai pigé santé. Pour certains d'entre vous, qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé? Qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que ça vous évoque? Si vous êtes malade, quel est le sens de votre maladie? Le mal a dit. Quels en sont les bénéfices secondaires? Est-ce que l'on s'intéresse plus à vous si vous êtes tout le temps malade? Et qui est la personne dont vous cherchez à attirer l'attention par votre maladie? Pour certains d'entre vous, êtes-vous fatigué ou déprimé présentement? Quelle est la signification émotionnelle de l'organe qui est atteint? Est-ce que vous avez vécu peut-être un choc qui a déclenché la maladie? Ça peut être un choc émotionnel, n'est-ce pas? C'est souvent le cas. Tout tourne autour des émotions, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est imprégné, lorsqu'on ne met pas une distance par rapport à cet émotionnel, eh bien évidemment, ça nous impacte, point de vue santé. Alors, la petite prière, c'est « Mes anges, ah mes anges, merci de maintenir mon corps en parfaite santé. Mon corps est une machine merveilleuse qui fonctionne à la perfection. Chaque particule de mon corps est en osmose avec toutes les autres. Alors vous allez dire aujourd'hui, et même par après, n'est-ce pas? Je suis la santé, je mérite la santé. Je suis la santé, je mérite la santé. Je suis la santé, je mérite la santé. Et c'est pas pour rien que ça me touche, cette carte. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, vraiment dans la douceur, avec amour. Prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.